Bonjour et bienvenue dans votre magazine On vous écoute, vous cherchez un emploi, vous cherchez des employés, ils sont là chaque jour pour vous aider à trouver des solutions. Nous sommes à l'agence Pôle emploi de Liévin où nous allons rencontrer sa directrice Corentine Vaillot pour vous aider à comprendre mieux cette structure de la fonction publique. Bonjour Corentine Vaillot, vous êtes directrice de l'agence Pôle emploi de Liévin, un bâtiment récent on va dire. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce site ? Oui, donc l'agence de Liévin donc, est installée donc, dans cette rue, donc, au centre-ville de Liévin donc, depuis 2 ans. C'est une agence qui comprend à peu près 55 salariés et dont je suis la directrice. On couvre 15 communes, donc des demandeurs d'emploi et les entreprises, donc alors bien sûr de la ville de Liévin, de par exemple Mazingarbe, Grenet, mais également de communes plus rurales comme Souchez, Carency, Villers-aux-Bois. Des villes de l'agglomération Liévin. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur justement cet agglo que vous couvrez? Combien de demandeurs d'emploi? Alors, on est 3 agences sur l'agglomération de Lens-Liévin, donc Liévin, Lens-Gare et Lens-Lallou, et à nous trois, on compte environ 15 000 demandeurs d'emploi. 15 000 demandeurs d'emploi, par rapport à la moyenne nationale, c'est beaucoup? Alors, on a un taux de chômage supérieur hein, à celui du niveau national, alors qui vient néanmoins de descendre en dessous de 9% au niveau national. C'est la première fois depuis très très longtemps. Et nous, pour la première fois également sur le bassin, hein, non pas sur l'agglo, nous sommes passés en dessous de 14%. Donc, on est à 13,8% de demandeurs d'emploi. Donc, on peut dire que le chômage baisse sur le bassin minier. Qu'est-ce qui fait que ça baisse? Des offres d'emploi différentes? Des métiers différents qui se développent un peu porteurs, sur le... Des secteurs porteurs, un dynamisme assez évident hein, depuis quelques mois. Donc la demande d'emploi qui en bénéficie le plus, ce sont les demandeurs d'emploi inscrits dans les secteurs plus porteurs, hein, comme la logistique, comme le bâtiment, comme le service à la personne. L'industrie aussi hein, qui repart, le transport qui est non seulement... un secteur porteur, mais également tension, on commence à avoir beaucoup de difficultés à recruter dans le domaine du transport ou des services à la personne. Donc clairement, si on cherche un emploi aujourd'hui, il faut avoir quelles compétences? Il faut avoir des compétences, et on en a tous. Hein, et on en a tous. On ne peut pas dire qu'un secteur soit complètement à écarter. Hein, puisqu'il y a toujours des niches d'emploi, c'est vrai que les secteurs, des secteurs qui sont un peu en perte de vitesse. Aujourd'hui, il est peut-être plus difficile de trouver un emploi quand on a une formation assez généraliste, un niveau bac. Il vaut mieux, hein, et d'ailleurs la demande d'emploi qui clairement tire son épingle du jeu, c'est la demande d'emploi qui a une formation plutôt professionnelle, hein, de type, type CAP, voilà, CAP, BEP, donc ce qu'on appelle un niveau 5. Aujourd'hui, les on va dire jeunes diplômés, bac plus 2, bac plus 3, généralistes, hein, 100 ans, hein, ont peut-être un petit peu plus de difficultés à s'insérer sur le marché de l'emploi actuellement. Pour autant, l'approche par compétences dans laquelle on s'est engagé avec Pôle emploi vise justement à faire prendre conscience aux demandeurs d'emploi qu'ils ont des compétences qui sont parfois, alors au-delà des connaissances techniques, au-delà de la formation initiale, qui sont des compétences liées à une posture, à un savoir-être, à des compétences qui sont complètement transversales sur des métiers quels qu'ils soient. Et ça, c'est vraiment très important d'en prendre conscience et de les mettre en avant. Alors, comment on peut justement faire prendre conscience? Comment se passe l'inscription ici, quand on est demandeur d'emploi? À partir de quel moment on devient demandeur d'emploi? Est-ce que c'est avant d'avoir un emploi, après, pendant? Alors, l'inscription aujourd'hui se passe exclusivement en ligne, hein, sur Internet. Hein, donc, c'est un dossier informatique. Hein, donc, les personnes peuvent faire leur inscription chez eux, hein, s'ils ont l'outil informatique, ou bien sûr sur nos espaces en libre accès,
On a 5 jeunes en service civique dans l'agence de Liévin qui accompagnent les demandeurs d'emploi qui n'auraient pas l'outil informatique ou qui ne seraient pas familiarisés avec cet outil. C'est une inscription qui est simple, rapide, où on répond à un certain nombre de questions. Et très rapidement, les personnes peuvent aussi télécharger les documents qui leur ont été remis par leur employeur, notamment l'attestation employeur, ce qui permet quasiment, si le dossier est complet, si on a toutes les pièces, de traiter le volet indemnisation dans les 2 jours suivant ce qui suit leur inscription. Et de rentrer, je suppose, dans un parcours de demandeur d'emploi alors, classique où on propose des choses, où on propose des annonces, ou alors il faut vraiment être actif dans sa demande d'emploi? Alors, les deux. En fait, suite à l'inscription informatique, les personnes sont reçues en entretien, donc on leur positionne sur l'outil informatique. Ils ont la possibilité donc de choisir 3 plages de rendez-vous en fonction de leur disponibilité. Ils sont reçus donc dans l'agence de proximité dont ils dépendent. En entretien, ce qu'on appelle entretien d'inscription, qui est en fait un entretien basé sur un diagnostic. Là, il rencontre un conseiller qui va prendre les éléments qu'ils ont déjà saisis et va identifier au travers du diagnostic et au travers du profil de compétences qu'ils ont déjà commencé à remplir, hein, donc sur l'outil informatique, qui va identifier ce dont ils ont besoin et quel est le parcours le plus adapté pour eux. On a donc différents types de parcours, hein, en fonction de l'autonomie et aussi du souhait du demandeur d'emploi d'être plus ou moins accompagné au travers d'entretiens réguliers physiques ou plutôt de façon plus à distance, plus dématérialisée, puisqu'on a la possibilité d'avoir des entretiens par visioconférence avec son conseiller ou des échanges de mails, etc. Est-ce qu'il y a une obligation? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de répondre aux annonces qu'on vous a demandé? Est-ce qu'il y a un nombre d'annonces à laquelle on doit répondre pour ne pas être chassé, on va dire, de Pôle emploi? Lors du diagnostic avec le conseiller, il y a une contractualisation qui est faite. Ils se mettent d'accord au regard du diagnostic et nos outils informatiques sont très aidants parce que on est sur une proposition d'action et de parcours qui est une suite logique des éléments qu'ils ont rentrés et de l'échange, bien entendu, qu'il y a entre le conseiller et le nouveau demandeur d'emploi. Ils vont se mettre d'accord sur les métiers recherchés, sur leur périmètre géographique de recherche. Est-ce qu'ils ont un véhicule? Est-ce qu'ils sont mobiles? Est-ce qu'ils recherchent un emploi à temps complet, à temps partiel, plutôt dans quel secteur d'activité? Ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi, qui est contractualisé avec le demandeur d'emploi. Et ce qui n'empêche pas le demandeur d'emploi, bien sûr, de postuler sur d'autres propositions que celles qu'il a enregistrées. À partir du moment où cette contractualisation est faite et le parcours aussi est contractualisé, est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée de façon très intensive, c'est-à-dire de voir mon conseiller peut-être tous les 15 jours de façon régulière ou moins parce que je suis plus autonome? Le conseiller va mettre en place tous les services en adéquation avec l'engagement et le parcours qui a été mis en place. Et effectivement, va proposer des offres d'emploi qui correspondent à ce qui a été convenu. Et donc, il est obligé de répondre à autant d'offres? Alors, non, il va répondre, bien entendu, on ne comprendrait pas. Et là, il y aura, c'est l'intérêt de la conversation et des échanges avec son conseiller. À partir du moment où il y a eu un accord sur, voilà, je recherche tel emploi, plutôt du temps complet, du temps partiel, dans un tel rayon géographique, effectivement, c'est un engagement qui est le sien, on ne comprendra pas pourquoi il n'y répondrait pas. Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il a besoin de retravailler son projet professionnel? Et c'est un échange perpétuel avec le conseiller. D'accord. Au niveau des entrepreneurs, comment se passe? C'est eux qui viennent vous voir et vous proposent des offres, ou vous êtes un peu des commerciaux et vous allez chez les entrepreneurs en leur disant, est-ce que vous avez des offres à nous proposer?
Alors les deux, hein, on a de la même façon, en fait, à l'instar de ce qu'on fait pour les demandeurs d'emploi, donc on leur propose une, on va dire, une offre de services personnalisée et diversifiée, on a la même chose, on propose la même chose aux entreprises. On a des entreprises qui sont très autonomes et qui donc dans ce cas-là déposent leur offre en ligne, vont chercher directement les candidatures sur notre banque de profil. Et clairement font leur recrutement sans nous, grâce à nos outils, mais sans notre appui. Et puis on a des entreprises, peut-être une TPE, une PME, voilà, qui n'a pas un service RH très structuré et qui va nous demander notre aide parce que n'est pas à l'aise dans l'entretien de recrutement, dans la présélection des candidats. Et ça, c'est un service plus qu'on va lui proposer. Alors des employeurs, on a un service téléphonique, hein, une ligne téléphonique directe, hein, avec des lignes directes, donc tout employeur peut nous appeler directement, peut nous adresser un mail, peut venir spontanément à l'accueil, ou il va être démarché. Parce qu'effectivement, on prospecte les entreprises. Alors, on voit ici beaucoup moins de conseillers en accueil qu'il y a 20 ans, mais beaucoup plus d'ordinateurs. Il y a des applications également. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce renouveau numérique, on va dire? Oui, et qui va encore évoluer. Alors aujourd'hui, on a deux types d'ordinateurs en fait, en libre accès. On a les ordinateurs évidemment qui permettent d'aller sur notre site pôle-emploi.fr. Sur le site de pôle-emploi.fr, le demandeur d'emploi a un espace personnel, hein, sur lequel il va pouvoir rentrer des informations, il va pouvoir mettre son CV en ligne. Ça peut être un CV qu'il va construire directement via notre outil ou il va télécharger son propre CV parce qu'il l'a fait d'une manière un petit peu plus perfectionnée. Il va pouvoir télécharger les documents. S'il travaille régulièrement, chaque fin de mois, il va télécharger sa fiche de paie, par exemple. Et il va pouvoir aussi bénéficier d'un certain nombre de conseils, puisque on a des informations sur les recrutements en cours. Et puis, bien entendu, on a les offres d'emploi qui sont à disposition. Donc, il va pouvoir, par exemple, s'abonner aux offres d'emploi qui correspondent à sa demande, ce qui fera que chaque fois qu'une offre d'emploi sera déposée sur le site de pôle-emploi.fr, il recevra un mail en disant, voilà, vous êtes à la recherche d'un emploi de maçon. Chaque fois qu'il y a une offre, il aura l'information, il ne sera pas obligé, comme autrefois, effectivement, de venir à Pôle emploi regarder l'affichage, puisque ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Il peut être alerté de façon régulière, tout comme il sera alerté sur son espace personnel. Il recevra des mails de son conseiller qui l'avertira peut-être d'un recrutement, d'un job dating, d'une action spécifique qui est mise en place, par exemple. On a des semaines dédiées à certaines thématiques. On a des semaines dédiées, par exemple, à la formation. On a des semaines dédiées, on est actuellement donc, sur une semaine de fin février à début mars dédiée au numérique. Hein. Voilà, avec des actions, des rencontres qui sont organisées et dont il va être mis au courant par son conseiller, puisque c'est son interlocuteur privilégié. Et vous êtes très présent également sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Sous forme d'application. Alors, on a aussi un portail qui s'appelle l'Emploi Store. Hein, on a plus de 300 applications qui sont créées, alors soit par des ce qu'on appelle des intrapreneurs de Pôle emploi, des conseillers qui ont des idées et qui ont développé une application, ou par des applications qui ont été construites par nos partenaires, hein, qui se sont donc appropriés les besoins, hein, des demandeurs d'emploi au travers des datas, hein, qu'on leur met à disposition et qui vont avoir développer des applications comme la Bonne Boîte, par exemple. La Bonne Boîte, ça permet à des demandeurs d'emploi d'aller chercher une liste d'entreprises vers lesquelles ils vont pouvoir faire des candidatures spontanées, parce que c'est un outil qui est croisé avec les déclarations préalables au recrutement. Et donc, on sait que ce sont des entreprises qui recrutent. Donc, ils ont la liste des entreprises, ils ont le nom du recruteur, ils ont l'adresse mail, le numéro de téléphone et des conseils de prise de contact. On va avoir de la même façon la Bonne Formation. On a une application qui s'appelle Maintenant, qui est une application très simple d'utilisation et qui permet de faire du recrutement direct. C'est-à-dire que le demandeur d'emploi ne saisit même pas son CV. Il dit voilà, moi j'ai telle compétence et l'employeur
va dire « moi j'ai besoin de telles compétences » et ils vont être mis en relation, le matching se fait automatiquement. Et puis alors, bien sûr le numérique, mais il y a aussi d'autres actions où vous sortez un peu du CV, de la lettre de motivation et vous retrouvez à faire du sport avec les demandeurs d'emploi et les entrepreneurs. Tout à fait. Je pense qu'il est vraiment important pour Pôle emploi d'être en lien avec les évolutions de la société. Vous parliez des réseaux sociaux, mais bien sûr, on a une page Facebook, on tweet, on est sur LinkedIn, c'est important parce que ce sont des réseaux professionnels. Mais il est aussi important d'aider les demandeurs d'emploi à être en phase avec l'évolution de la société. Aujourd'hui, on va vite. Aujourd'hui, envoyer un CV, une lettre de motivation et d'attendre l'entretien, c'est pas suffisamment efficient. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi pour rencontrer tout de suite les employeurs. Et si on peut leur éviter le barrage du CV et leur donner la possibilité de rencontrer directement des employeurs sous la forme de rencontres directes, faut savoir que toutes les semaines, on accueille des entreprises, des recruteurs ici, et on présélectionne des candidats et on les prépare, on les fait se rencontrer. Et puis aussi, on mène des actions particulières, des job dating, et là, tout dernièrement, avec la Ligue d'athlétisme, on a donc convenu d'un partenariat sur l'année 2019. On avait déjà fait une expérimentation sur 2018. Et juste avant le meeting d'athlétisme, on a, le vendredi qui précédait, donc mis en place une opération avec donc Synergie et la Ligue d'athlétisme, où on a composé des équipes mixé avec des demandeurs d'emploi, avec des recruteurs et avec des accompagnateurs pour l'emploi ou Synergie. De façon complètement anonyme, on a composé des équipes de 8-10 personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont, sur une matinée, fait du sport ensemble. Ils ont fait des 200 mètres, ils ont fait des sprints, ils ont appris à se connaître. Ils se tutoyaient, ils s'appelaient par leur prénom. Et puis, tout doucement, au cours de la matinée, ils ont découvert, alors les recruteurs surtout, puisque c'était l'objectif, ont découvert une personne qui avait la niaque, qui était persévérant, qui était capable de travailler en équipe, parce que ça crée une cohésion. Et qui, au fur et à mesure aussi, s'est décontracté. Et puis l'après-midi, ils se sont retrouvés là directement, moi en tant que recruteur, et tu recherches tel métier, je t'ai vu sur le terrain ce matin, et puis c'est une façon, le sport est vraiment l'outil idéal pour mettre en avant des compétences qu'on a et des contrats. Et donc, ça a débouché sur quoi? Sur combien d'emplois? Alors, on n'a pas... Ça date de 8 jours. Donc, là, on est en train de faire le bilan. Alors, ça a déjà débouché sur une satisfaction unanime de l'ensemble des participants et des demandeurs d'emploi et des entreprises et de nous-mêmes. Clairement, on a passé un excellent moment. Et peut-être par rapport à d'autres opérations qui avaient eu lieu dans le même style, est-ce qu'on s'aperçoit que vraiment c'est porteur? Alors c'est porteur de résultats, puisque tout ce qu'on fait à Pôle emploi, on le mesure. Notre objectif, c'est bien entendu d'être performant, et on s'attache à ça. Donc toutes les opérations de recrutement sont mesurées à l'issue. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a bien sûr des résultats en termes de recrutement. Je dirais que les recrutements existaient déjà de façon classique, ils se faisaient, mais ce n'étaient peut-être pas les mêmes. Et c'est ça la différence. Aujourd'hui, dans certains métiers qui sont tendus, qui sont en tension, les recruteurs ne trouvent pas forcément les candidats et nous disent moi, plutôt qu'une compétence technique, moi c'est peu importe si il sait pas faire ça, moi je vais lui apprendre. Ce que je recherche, c'est une personne, c'est une compétence, c'est un savoir-être. Moi je veux quelqu'un de sérieux, de consciencieux, qui va bien s'intégrer dans mon équipe, qui est capable d'apprendre. Et donc en fait c'est là où ces actions permettent de recruter des personnes qu'on n'aurait peut-être pas recrutées au travers d'un CV, mais parce qu'on a identifié ces compétences et qu'on les a reconnues, et on se dit ok, tu sais pas monter un mur, mais moi je vais t'apprendre.
Vous avez envie, c'est déjà important. Je sais que voilà, vous correspondez, vous connaissez les valeurs de mon entreprise et vous les partagez. Et je vais vous apprendre le métier parce que de toute façon, je ne trouverai pas parce que bah, ce sont des métiers qui, par exemple, bah, n'ont peut-être plus attiré pendant un certain laps de temps des jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des personnes dans certains métiers du bâtiment, dans l'industrie, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on peut conclure, dire que beaucoup d'actions sont menées par Pôle emploi et que si on cherche un emploi, il ne faut pas hésiter à prendre contact et à se donner à fond, peut-être ? Ah ben, clairement, vous avez, moi je dirais là, on a la chance d'avoir aujourd'hui des conseillers qui connaissent bien ce qu'on appelle le portefeuille de demandeurs d'emploi, qui suivent régulièrement leurs demandeurs d'emploi, qui les accompagnent, qui vont leur apporter le service plus. On a l'outil numérique qui ne remplace pas le contact avec le conseiller, mais qui est en plus, hein, qui est clairement... Et puis on a des personnes, on est là aussi pour accompagner les personnes à utiliser, à évoluer avec le temps. On a un rôle aussi sociétal, on est un service public et notre ambition c'est aussi d'accompagner les personnes qui en ont le plus besoin et d'adapter voilà, notre offre de service. Donc on a, et clairement je pense que, enfin c'est pas je pense, hein, les résultats le prouvent. À Liévin, on a eu la chance d'avoir atteint ce qu'on appelle le Grand Chelem hein, l'année dernière, c'est-à-dire l'ensemble de nos indicateurs et notamment les indicateurs de satisfaction, puisque les demandeurs d'emploi et les entreprises sont interrogés régulièrement. Et voilà. Et puis le chômage baisse ici, donc ça veut dire que le territoire est porteur. Eh ben oui, clairement, il y a un beau dynamisme. On est en lien et on est toujours en relation avec nos partenaires, avec notamment le service développement éco de la CAL, avec qui on travaille de concert et on est le plus en amont des recrutements et des implantations. Merci beaucoup. Mais merci Valérie. Et puis bon courage pour offrir de l'emploi à tous ces gens qui en ont besoin. Oui, mais voilà. Merci beaucoup. On est enthousiastes. Merci.